Donc une intervention que je propose au nom des autres, que je ferai brève pour donner l'exemple, puisque dans cette nuit des idées, le grand problème, vous l'aurez compris, sera de tenir le chronomètre et de ne pas déborder du tout le temps d'intervention qui est imparti à chacun. Je parle pour tous les intervenants, mais j'avais déjà envoyé des consignes en ce sens pendant la semaine. Donc je vais respecter moi-même ces consignes en réfléchissant avec vous sur la question au nom des autres. Deux mots simplement avant sur l'organisation de la nuit. Donc il y a, vous l'avez vu dans le programme, il y a plusieurs formats qui sont disponibles. D'une part, des interventions un petit peu coup de poing de 15 minutes pendant lesquelles le public, c'est-à-dire vous, ne pourrez pas intervenir puisque l'idée est un petit peu de sortir un peu sonné de ces interventions. D'autre part, il y aura également des interventions lors de tables rondes autour de thématiques qui sont identifiées dans le programme où là, vous aurez l'occasion effectivement d'intervenir, sachant qu'ensuite, pendant la nuit, vous pouvez bien évidemment vous adresser à quiconque est présent pour lui poser des questions en aparté, etc. Il y a également une révision philo du bac en début de soirée pour tous ceux qui sont intéressés, pas seulement les bacheliers, voilà. Donc, je me redonne la parole tout de suite. Donc, je vais explorer cette question, cette thématique au nom des autres. Pourquoi ? Puisque je voudrais juste suggérer que nous avons souvent trop l'habitude d'avoir une vision angélique de l'autre, celui que nous avons à accueillir, celui par rapport auquel nous avons à être hospitaliers, comme si finalement il suffisait que l'autre affirme son identité ou son existence d'autre pour que aussitôt nous l'accueillions. Alors bien évidemment, cette attitude angélique à l'égard de l'autre, elle est démentie dans les faits par la violence très fréquente par laquelle nous refusons d'accueillir les autres, par laquelle nous refusons finalement de donner une place de notre chez-soi à l'autre, le congédiant, lui refusant l'accès à notre chez-soi, le laissant au fond, au seuil de notre chez-soi. Je voudrais un petit peu légèrement décaler la réflexion en analysant d'abord le fait que, au fond, les autres, avant d'être des individus en chair et en os, avant d'être des visages que je peux reconnaître, avec lesquels j'ai affaire, les autres sont d'abord un nom NOM. Le nom précisément de celles et de ceux qui n'ont pas de nom. Il me semble que quand nous réfléchissons au fond aux autres, aux étrangers qui arrivent chez nous par exemple, à ceux dont on dit qu'ils ont une vie autre, très souvent nous faisons comme si cette notion d'autre, d'altérité, pouvait leur être affublée sans problème, pouvait leur être accolée sans aucune difficulté, comme si finalement ils se prénommaient presque du nom de l'autre. Ne pas recevoir de nom, ne pas être nommé comme Pierre, Paul ou Jacques, ou consorts, ou Jacqueline, Pierrette et Pauline, ne pas pouvoir être nommé, en général, expose une vie précisément à la disqualification, à la dépréciation mélancolique, à des formes d'injures également qui viennent de ce que, précisément, une vie ne reçoit pas de nom. Dans la constitution bosniaque, par exemple, c'est ainsi que ceux qui ne sont ni bosniaques, ni serbes, ni croates, ne sont plus dénommés dans la constitution que comme les autres, et se voient comme tels privés des droits que les serbes, les bosniaques et les croates ont. On voit ainsi que les autres, dans le cas présent, se confondent au fond avec les indésirables en général, c'est-à-dire toutes les vies dont la justification est considérée comme n'allant pas de soi. Pourtant, précisément, cet indésirable qu'est l'autre est bien quelqu'un avant d'être un nom. Avant d'être ce nom de l'autre,
il est une vie qui s'efforce de vivre, c'est-à-dire une vie qui s'efforce justement de se développer comme telle, une vie qui est en rapport à d'autres vies, une vie qui, dont l'histoire précisément pénètre dans un ensemble d'autres sujets, un ensemble de nations qui fait histoire précisément. Or, on voit par là que à manier trop rapidement la catégorie de l'autre, nous risquons justement d'effacer son nom, de perdre son visage et ainsi justement de ne plus parvenir réellement à appréhender sa forme de vie particulière. Nous risquons justement de ne plus le considérer dans son histoire, puisqu'il aura par avance été résumé sous un nom qu'on lui impose. Et aujourd'hui, les noms qu'on impose aux individus les plus vulnérables, dans une société comme la nôtre ou comme dans d'autres sociétés, ces noms qu'on impose sont légion. Je veux dire par là que, en réalité, nous avons beaucoup de catégories par lesquelles nous nous efforçons très rapidement de ranger certaines existences à l'intérieur de celles-ci pour ne pas avoir à les appréhender. On peut dire après tout que dans beaucoup de polémiques et dans beaucoup de méconnaissances à l'égard de la population rome, il est question d'une catégorie que l'on plaque sur certaines vies sans du tout s'attarder à l'histoire de ces existences. Mais on peut dire aussi que c'est le fait de toutes les populations immigrées, après tout, les Maghrébins d'Afrique du Nord en France, les Turcs en Allemagne, sont des sujets soumis à une catégorie, à une désignation, qui vient comme ça les attacher à un nom, à une logique sociale, qui résonne comme un signifiant honteux, qui d'ailleurs peut, selon le contexte, être détaché de telle catégorie pour être rattachée à une autre catégorie. Les Italiens d'hier sont devenus les musulmans d'aujourd'hui. Et on voit par là que le signifiant « autre », ce sont les autres. Et je ne suis pas comme eux, peut servir d'une certaine façon à disqualifier par avance des populations, peut servir à disqualifier tout un ensemble d'existences. Par où l'on voit que, justement, il faut, c'est le point que je voudrais finalement donner en préambule, par là, par où on voit que, justement, nous devons justement réfléchir absolument, non seulement à nos formes de dépréciation, de dénigrement des autres, mais aussi aux jugements par lesquels nous éloignons des vies comme étant autres, précisément. Pour parodier Simone de Beauvoir, on pourrait dire que on ne naît pas autre, on le devient. On le devient à force d'être désigné comme autre. C'est-à-dire qu'effectivement, si je suis à chaque fois que je cherche à m'intégrer à la communauté des humains, à la communauté de ma cité, à la communauté de ma nation, si je suis renvoyé en permanence à une catégorie qui finit par s'imposer à ma propre existence, si je suis à chaque fois désigné comme l'immigré, par exemple, ou si je suis désigné comme l'autre, si je suis désigné comme étant quelqu'un de bizarre, etc., je suis éloigné de la possibilité d'intégrer une communauté, un commun. Je suis éloigné de la possibilité de voisiner avec les autres. Et une société, c'est là-dessus que je voudrais, au fond, insister, une société n'existe que si elle est composée, je le crois profondément, de voisins. C'est-à-dire de sujets qui ne sont ni trop proches, ni trop éloignés. Je crois qu'il faut réhabiliter le voisinage aujourd'hui, sachant que celui-ci a été trop malmené. En particulier, il a été très souvent assimilé à tort à la logique de confinement des voisins qui, parce qu'ils sont socialement proches les uns des autres, parce qu'ils se ressemblent socialement, culturellement, religieusement, veulent
finir par s'assembler les uns avec les autres. Alors qu'en réalité, ce qui fait précisément la qualité philosophique du voisinage, c'est que je ne décide pas de qui est mon voisin. Je ne dois pas décider de qui est mon voisin, puisque quand je viens habiter quelque part, justement, la part de ce que je représente, en quelque sorte, elle est d'emblée en rapport avec d'autres habitants qui ont également leur part et avec lesquels je finis par être en rapport, ni trop de proximité. Les voisins ne sont pas des amis, les voisins ne sont pas de la famille, ni trop d'éloignement. Les voisins ne sont pas ces sujets extrêmement éloignés par rapport auxquels je n'ai, au fond, qu'un rapport abstrait. Mais précisément, qu'est-ce que vivre dans une société de voisins ? C'est vivre dans une société de sujets qui sont, en quelque sorte, ni trop proches, ni trop éloignés. Et cette qualité, en quelque sorte, d'une semi-proximité, d'un semi-éloignement, je crois qu'elle a été très fragilisée sociologiquement. Des études montrent comment, effectivement, des formes de voisinage électif finissent par construire des ségrégations par en haut, mais aussi par le milieu, et donc, du coup, par le bas. Ces ségrégations, elles sont précisément, elles rendent difficilement concevable la possibilité philosophique du voisinage. Je crois que nous avons précisément à réapprendre à ce que voisiner veut dire, à savoir un art précaire de la cohabitation, un art précaire d'un partage d'un espace par des sujets qui ne sont jamais les mêmes et qui justement s'enrichissent en quelque sorte de leurs différences. Qui s'enrichissent non pas parce qu'ils ont décidé de le faire, mais parce qu'au fond, ils finissent par se mélanger les uns aux autres, mélange qui s'établit d'une certaine manière pacifiquement. Bien évidemment, il faut des conditions politiques à cette capacité du mélange, ces conditions politiques sont fragiles. Je veux dire par là que, effectivement, la possibilité pacifique de la cohabitation est l'une des conditions du voisinage. Mais nous nous tromperions si nous pensions qu'une société d'amis seulement est une société possible. Je pense qu'une société d'amis, c'est-à-dire de sujets qui se sont choisis mutuellement, qui se sont reconnus comme égaux les uns à l'égard des autres, je pense qu'une société d'amis non seulement est impossible, mais n'est même pas désirable. N'est même pas désirable. Pourquoi ? Parce que précisément, elle efface la capacité de la rencontre involontaire avec l'autre. L'autre n'étant pas celui qui est désigné comme autre, celui que j'éloigne parce qu'il est indésirable, celui avec lequel je ne veux avoir aucun rapport, l'autre étant ici celui, au fond, que je côtoie, justement, malgré moi, dans une dimension d'involontaire qui m'ouvre nécessairement à la possibilité d'être déplacé par la vie de l'autre. Je crois, effectivement, que, historiquement, mais j'imagine peut-être que Thierry en reparlera, mais je crois qu'historiquement, les sociétés se sont plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur, ouvertes aux autres en général. Les sociétés ont plus ou moins accueilli les autres, leur ont donné plus ou moins une place. Il est certain qu'aujourd'hui, nous avons trop tendance à fermer en quelque sorte des frontières anthropologiques dans l'accueil à l'autre, en considérant au fond que l'identité vaut mieux que la diversité, en considérant justement qu'il y a un risque dans la perte d'unité engendrée par le mélange. En réalité, nous devons analyser d'où vient ce risque. Il serait possible, reprenant certaines analyses, en particulier d'un philosophe qui était très sensible à cette question du mélange, Jacques Derrida, il serait possible justement d'analyser que c'est très souvent parce que nous avons peur individuellement de nos propres autres qui sont en nous, qui forment tout un peuple intérieur, que nous en venons à mépriser les autres. Il y a un lien évident
entre la haine de soi, comprise comme une haine des autres qui sont en soi, et la haine de l'autre. La haine de l'autre n'est très souvent qu'une volonté d'unifier tout ce qui, dans sa propre existence, est voué au disparate, à la diversité. Or, en réalité, nous savons bien que nous sommes plusieurs en nous-mêmes. Nous savons bien que, justement, notre identité n'est pas d'un bloc, que nous avons précisément à composer entre des registres d'identité multiples. Et peut-être nous sentons bien également que le style d'une vie, qui est donc en ce sens toujours singulier, tient à la capacité de chacun d'entre nous d'arriver à faire tenir ensemble des hôtes qui ne regardent pas tous dans la même direction. Cette capacité de faire tenir ensemble, que j'appellerais style de vie, je crois que effectivement la culture de cette capacité est indispensable aujourd'hui. Et je pense que sans cette culture de cette capacité, au fond, à héberger tous les hôtes qui sont en nous, nous avons tous les risques de mépriser l'autre, car dès lors qu'il ne nous ressemble pas, dès lors que nous identifions en lui, au fond, une surprise sociologique, politique, religieuse, anthropologique, ontologique même. Il me semble donc que réfléchir aux autres, c'est réfléchir à la possibilité d'avoir une culture des autres, c'est réfléchir à la possibilité d'avoir un accueil, je dirais, cultivé des autres au sens large, ce qui implique, de mon point de vue, que l'éducation, dont on dit qu'elle est nationale, doit devenir une éducation internationale. Une éducation aux autres par la culture des autres. Une éducation aux autres par la littérature des autres. Une éducation aux autres par le cinéma des autres, etc. Une éducation aux autres par la religion des autres. Cette condition me semble indispensable si nous voulons aujourd'hui former précisément, continuer à former. Et le théâtre, l'université, la librairie sont des lieux de formation, des lieux aussi d'internationalisation de la culture qui doivent être, je crois, pleinement compris. On se souvient que dans une pièce célèbre, Sartre, dans Huis clos, n'hésitait pas à souligner que l'enfer, c'était les autres. Il voulait indiquer par là l'impossibilité d'échapper au regard de l'autre, de fuir la relation à l'autre, qui finissait par devenir quelque chose d'invivable pour quelqu'un. Mais on peut donner, je crois, une seconde interprétation à cet énoncé de Sartre, hein, « L'enfer, c'est les autres », qui est précisément la nôtre ce soir. Plutôt que la soumission au regard de l'autre, il semble bien justement que l'affirmation que quelqu'un est un autre soit d'abord une affirmation d'éviction, une façon de soustraire l'autre à la communauté de nos propres vies. De telle sorte que, bien loin d'être le regard toujours présent qui falsifie sa propre vie en l'exposant à ce regard, l'autre, en tant que catégorie, est une mise en demeure, apparaît justement comme l'ajournement de toutes les vies réputées inadmissibles. Je dirais donc que nous avons à malmener la catégorie de l'autre si nous voulons encore pouvoir accueillir l'autre dans sa singularité. Malmener la catégorie de l'autre pour accueillir la personne, l'autre visage, l'autre voix, l'autre culture, c'est justement reconnaître que nous ne sommes pas par nous-mêmes complets, c'est reconnaître que nous formons un monde incomplet qui a besoin précisément des autres pour exister. L'illusion de la complétude est alors, me semble-t-il, le début précisément du dénigrement d'une vie comme vie autre. Inversement, la reconnaissance de l'incomplétude de toute vie est la condition d'accueil de l'autre. Je vous remercie.
Donc je cède la parole maintenant à Thierry Fabre. En écoutant Guillaume Leblanc tout de suite, il y a deux citations, deux figures qui me sont tout de suite apparues. La première, il l'a évoqué, c'est Jacques Derrida, qui, ne l'oublions pas, a passé ses 17 premières années de sa vie à Alger, et qui, dans un très beau texte qui s'appelle « Europe, l'autre cap », qui est, je pense, d'une grande actualité, disait que le propre d'une identité, c'est d'être étrangère à elle-même. Il me semble que c'est une phrase qui devrait nous traverser en profondeur. La deuxième figure qui m'est apparue en entendant Guillaume parler de l'autre et de l'hospitalité, c'est la figure du grand Louis Massignon, qui a longtemps enseigné l'islamologie, la connaissance de l'islam et en même temps de la mystique, qui lui-même avait été un homme très incandescent et qui avait eu cette magnifique formule qui est dire « pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais s'en faire l'autre ». Et je crois que ce jeu entre l'autre et l'autre est une façon peut-être de travailler et d'avoir une résonance dans le questionnement, dans le questionnement très contemporain. Et cette notion d'hospitalité, elle m'est très chère ici d'être au fond à Bordeaux pour le premier volet de cette nuit des idées, et alors que le deuxième volet va avoir lieu à Marseille, au MUCEM, le 27 juin. Donc je suis très heureux, je tiens vraiment à vous remercier de votre hospitalité, Catherine Marnaz, Guillaume Leblanc et toutes les équipes ici, parce que je crois que c'est assez singulier, je ne crois pas que ce soit fait si souvent d'avoir des relations comme ça transversales entre l'Atlantique et la Méditerranée qui ne passent pas par Paris, ce qui en France est une assez grande nouveauté. Et moi, je crois beaucoup à ces formes latérales. Voilà. Pour revenir au sujet qui m'a été proposé, et pour peut-être essayer de le situer dans notre temps, dans notre époque, il me semble, pour faire référence à un titre célèbre, que nous voici confrontés à une nouvelle grande peur des bien-pensants. Et qu'une forme de libre parole, pour reprendre le titre de Drummond, Drummond, le grand idéologue de l'antisémitisme, qui c'est chez lui qu'on trouve la phrase si répétée aujourd'hui de la France aux Français. Eh bien, cette expression aujourd'hui se déploie et qu'on est confronté, je crois, de plus en plus à des passions identitaires où la figure de l'autre, comme le soulignait Guillaume Leblanc tout de suite, que ce soit le rhum, le noir ou le nègre, j'ai encore quand même dans l'oreille ce qui a été dit à propos de Christiane Taubira, l'arabe ou le juif sont et ces formules, ces passions identitaires qui ont longtemps été souterraines ou tues ou se revendiquent aujourd'hui. C'est ça qui me paraît le plus frappant, c'est qu'elles sont presque revendiquées avec une certaine fierté. Et comme nous l'a appris le sociologue Albert Hirschman, les passions sont plus fortes que les intérêts. Et je crois que c'est au cœur de la cité. Et donc ces passions identitaires qui travaillent et qui agitent la France aujourd'hui, mais pas que la France, je crois que ce qui se joue sous nos yeux en Europe en témoigne, c'est une affaire de très grande importance. Je ne crois pas pour autant que nous allions vers une nouvelle révolution nationale, parce que nous ne sommes justement pas dans les années 30, nous sommes au 21e siècle, dans les années 2010,
Et comme le soulignait Alain Juppé tout à l'heure, nous sommes dans un temps qui est celui de la mondialisation et ça change profondément toutes nos perspectives. Alors, surmonter la peur est, je crois, un véritable défi aujourd'hui pour l'être ensemble et pour un possible vivre ensemble à la recherche justement d'un monde commun ou d'un monde de signification commune et qui pour moi, de là où je vis, j'agis et j'essaie de réfléchir, ce monde de signification commune peut-être est un, on peut l'appeler la Méditerranée. Parce que c'est là où nous sommes dans un monde de voisins très proches, voisins par l'histoire, voisins par les relations économiques, voisins par les relations humaines, les interrelations qui créent, je dirais, des compénétrations d'intériorité qui changent profondément la donne, puisque la Méditerranée n'est plus une question extérieure à l'Europe. Elle est devenue, avec les phénomènes de migration et de diaspora, une question intérieure. Et j'accueillais la semaine dernière au MUCEM à Marseille Bernd Scherer, le directeur de la Maison des Cultures du Monde de Berlin, et il me disait combien il est en train de voir transformer le visage de Berlin en ville méditerranéenne, parce que non seulement, oui, il y a une grande ville turque depuis très longtemps, mais beaucoup de Grecs, d'Italiens, d'Espagnols, de jeunes sont venus après dans les effets de la crise économique, sont venus s'installer en Allemagne. Et donc je crois que cette image, ce symbole, il ne faut évidemment pas prendre la Méditerranée comme un territoire, mais peut-être comme une métaphore, c'est pour moi la métaphore d'un possible monde de signification commune. Alors c'est vrai que compte tenu de ces phénomènes de mobilité et de diaspora, nos villes sont devenues plurielles. Et cette pluralité-là, qui est devenue au fond constitutive de la mondialisation ou d'une forme de mondialité, suscite de très grandes inquiétudes jusqu'à ce que certains osent parler de remplacement, de grand remplacement. Au fond, dit sous la forme de la brève du comptoir, on se sent plus chez nous. Ce qui pourrait amener, dans une nuit des idées avec beaucoup de philosophes, à se poser la question, mais au fond, de qui sommes le nous ? C'est une question que j'ai posée à Alain de Libera, qui vient de rentrer au Collège de France, qui est un philosophe médiéviste, et avec qui on a créé les rencontres d'Averroès à Marseille. Et c'est intéressant parce que Alain Libera montre que dans les généalogies historico-culturelles, philosophiques, il y a bien entendu l'héritage grec et latin, il y a bien entendu la dimension et l'héritage chrétien, mais il y a aussi, comme héritage oublié, l'héritage judéo-arabe, c'est un élément de transmission qui est d'ailleurs passé par les troubadours sur la forme poétique, ou est passé par Averroès qui a introduit Aristote dans la culture européenne. Et quand on pose la question des généalogies lointaines et que l'on se réapproprie justement toutes les capitales, je veux dire, pas simplement Athènes et Rome, mais aussi Cordoue et Jérusalem, alors là, on est dans d'autres dimensions. Et ça a suscité beaucoup de débats, de violences. Je pense notamment au livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, qui a voulu faire disparaître justement la transmission par l'Andalousie, par la Sicile, de cet héritage judéo-arabe. Alors, ce nous, il faut, je crois, sans arrêt le questionner, et notamment en France, car on le sait depuis le travaux des historiens, je pense notamment à Gérard Noiriel, que la France est un creuset, hein, c'est pas une race, une religion ou une couleur de peau. Ça a été, comme le disait l'historien Eugène Weber, une France des terroirs, mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. On est dans le 21e siècle, ce temps de la mondialisation. Et ce qui fait que ce « nous » a été transformé.
Et au fond, toute la question, c'est de savoir si ce nous, qui est un propre dont nous avons besoin pour exister collectivement et pour énoncer une vision du monde, toute la question, c'est de savoir, de ne pas confondre ce propre avec un pur. Et je crois que ce glissement entre le propre et le pur est quelque chose d'extrêmement dangereux qui est en train d'advenir sous nos yeux et contre lesquels, je crois, il faut se dresser avec force, car le passage du propre qui constitue une forme de nous qui accepte la pluralité au pur conduit à une très grande violence. Et il me semble que les récits identitaires fondent cette pureté dangereuse dont on a vu, on a parlé de la Bosnie, la purification ethnique est fondée sur ce type de récit. Et la violence, elle a toujours besoin d'un discours qui légitime la violence. Elle n'est jamais une violence brute. On animalise l'autre, on le traite de cafard. Pensez à ce qui s'est passé au Rwanda. On traitait les Juifs de vermine. Donc toute cette dimension-là, cette attention au langage, à la pensée, les hommes qui ne pensent pas sont comme des somnambules, disait Hannah Arendt. Il me semble qu'il y a là un très grand enjeu de notre temps. Et pour sortir de ces récits identitaires, un des chemins, c'est, selon certains, de changer d'imaginaire. La question, c'est que ce changement d'imaginaire ne soit pas, je dirais simplement, un slogan, mais de voir comment on peut entrer dans un autre rapport à l'appartenance ou à l'identité, en prenant par exemple cette notion forgée par Paul Ricoeur d'identité narrative, qui est faite de multiples récits qui s'entrelacent et qui peuvent constituer justement un alliage. Quand on est dans l'identité narrative, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de pureté possible, puisqu'on est dans la constitution de multiples récits. Et c'est peut-être dans cette identité narrative que moi je retrouve la Méditerranée. On peut trouver d'autres récits. Je pense par exemple au très beau travail qui a été accompli par Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau, avec une toute autre approche autour des Antilles, de l'éloge de la créolité et de la créolisation du monde, du tout monde, et qui fonde, je dirais, un imaginaire de la relation. Dans le monde méditerranéen, on n'est pas exactement dans cette perspective-là, et on a accueilli Patrick Chamoiseau au MUCEM pour un cycle de conférences sur civilisation et barbarie avec Zvetan Todorov. Et on en a beaucoup discuté. La grande différence quand même par rapport à cette vision, je dirais, de l'identité-relation et de la créolité ou de la créolisation du monde, vue à partir des Antilles, c'est vue à partir, je dirais, d'une vision horizontale. Or, la singularité de la Méditerranée, c'est qu'il y a des grandes verticalités qui s'appellent les monothéismes, et on n'en sort pas comme ça. Ça fonde des appartenances et parfois des identités exclusives. Ça fonde en tout cas des séparations anthropologiques. Pensons par exemple à la permanence des interdits alimentaires qui construisent des relations au quotidien entre les voisins, de ce que l'on veut partager et ne pas partager. Et le terme de partage me paraît très intéressant parce qu'il signifie à la fois ce que l'on met en commun et ce qui nous divise. Ces monothéismes aussi construisent des mémoires singulières. Il y a des mémoires chrétiennes, des mémoires juives, des mémoires musulmanes, et ça agrège des appartenances. Mais encore une fois, ces verticalités existent, mais elles sont aussi poreuses. Elles traversent les frontières, et on le voit notamment dans les expressions artistiques et culturelles. Alors, c'est à partir de cet alliage, je dirais, d'une Méditerranée du 21e siècle, qu'il est possible, me semble-t-il, de bâtir un monde commun, un monde de signification commune, qui soit une véritable alternative à cette grande peur des bien-pensants qui nous est aujourd'hui présentée en France, mais pas seulement en France. Donc,
plutôt que de se détourner de la Méditerranée, de se replier au fond sur une vision continentale de la vieille Europe, il faudrait peut-être renouer avec ce que l'économiste François Perroux appelait une Europe sans rivage, dont la Méditerranée est en tout cas un des horizons. Il y a là, à mes yeux, une nouvelle frontière pour surmonter la peur et la capacité de construire de nouveaux territoires d'appartenance qui se jouent très largement dans nos espaces urbains, dans les formes de syncrétisme qui se construisent. Et la ville de Marseille est un bel exemple à la fois de ces syncrétismes qui se construisent et des passions identitaires, parfois à vif, qui se déploient. Voilà peut-être une façon de changer d'imaginaire, de sortir d'un imaginaire de la peur pour essayer d'inventer ce monde commun et de sortir de ce discours lancinant de l'identité malheureuse qui, à mes yeux, apparaît assez néo-maurassienne et peut-être s'avancer de ce qui pourrait être plutôt des formes d'appartenance heureuse. Au fond, je m'interroge dans le débat public, dans le débat d'idées ou dans le flot et dans le flux des informations qui nous traversent, pourquoi s'abandonner à des passions tristes. D'où vient un tel renoncement ? Pourquoi, aujourd'hui, la France a-t-elle si peur d'elle-même ? La Méditerranée n'est pas une frontière de la peur, même s'il y a du tragique, de la violence et de la guerre, mais l'Europe aussi a connu cette dimension-là. Il y a effectivement un mode de vie, un style de vie méditerranéen qui existe, et notamment au XXIe siècle, ou pour le dire autrement, comme le préconise Pierre Rabhi, qui est dans l'utopie concrète, il parle d'une sobriété heureuse. Au fond, on se pose la question de savoir comment surmonter la peur. Je crois qu'un des chemins, c'est d'essayer de sortir du vide et de ne pas succomber à cette transformation du visage de la France qui devient, avec ce discours identitaire, qui se transforme en grimace. Et moi, ce n'est pas, au fond, ce récit de la France, de l'histoire de la France que je connais. Et il y a d'autres récits qui sont possibles à partir de la grande histoire de ce pays. Alors, le malaise, le soupçon, l'invasion, l'identité malheureuse, je crois qu'il est vraiment temps d'en sortir et d'essayer d'ouvrir d'autres chemins, d'autres perspectives. Et c'est, je crois, le sens d'une nuit des idées comme celle-là, c'est de construire un imaginaire de la relation, un imaginaire n'est pas celui de la France aux Français tel que ce slogan avec la résonance qu'il peut avoir, mais plutôt d'une France qui renoue avec un élan et avec du lieu où je suis qui renoue avec cette vocation méditerranéenne qui a été la sienne. Renouer avec cet élan et avec cette idée de la Méditerranée, c'est pas du tout pour projeter une vision ou un modèle. C'est la quête, effectivement, d'un style de vie pour le XXIe siècle. Il y a là, à mon avis, un autre monde possible, une façon de sortir des passions identitaires et de sortir aussi d'une certaine vision de l'Europe, ou pour le dire comme le dit fortement un sociologue allemand, qui est Ulrich Beck, qui a publié un livre qui s'appelle « Non à une Europe allemande », et qui n'est évidemment pas anti-allemand, mais d'un modèle qui peut se transformer et pas qui est simplement, je dirais, ancré dans cet horizon du Nord. Alors, renouer avec, face aux passions tristes, renouer avec l'élan, le désir, le rêve,
Catherine Marnas m'avait donné cet extrait de Pilade de Pasolini que j'ai pu mettre dans l'exposition d'ouverture du MUCEM, Le Noir et le Bleu. Mais à partir de ce jour-là, ils ont opposé à la folie de la peur la folie de l'homme qui rêve. C'est tout le mal que je nous souhaite. Bonne soirée. Donc, troisième intervention, clôturer cette première, ce premier moment. Donc, très heureux de présenter Didier Ribon qui va tout de suite prendre la parole. Je crois que le micro est déjà prêt à fonctionner. Il marche là, oui. Bon, c'est bien parce que j'étais prévu à 20h30, il est 20h20. De 20h30 à 21h. Donc j'ai 10 minutes de plus. Comme ça, je pourrais parler sans dépasser le temps imparti, puisque pour parler des autres, je vais parler de moi. Mais moi, au sens, disons, philosophique ou sociologique, anthropologique, qui est moi, qui est le sujet qui parle, comment il est constitué, et comment il est constitué, évidemment, par son rapport aux autres. Et je voudrais revenir sur quelques aspects, quelques problèmes que j'ai abordés dans les livres où je parle de moi. Ce sont des livres auto-analytiques, disons, Retour à Reims et le livre qui a suivi La société comme verdict. Et pour essayer de dire quelques mots sur la théorie de la subjectivité et des identités sociales que j'ai essayé de mettre en place dans ce diptyque que j'ai appelé mon cycle du retour. Alors c'est évidemment une question très difficile parce qu'on rejoint évidemment les thèmes que vient d'évoquer Guillaume sur l'enfer, c'est les autres. Évidemment, la subjectivité est constituée par les autres, c'est-à-dire par le monde social tel qu'il est structuré dans ses hiérarchies et la violence que ces hiérarchies et ces catégorisations comportent. Je ne suis pas le premier évidemment à me poser la question et je me demande si elle n'est pas nécessairement incluse, fût-ce à l'état implicite dans tout projet d'écriture sur soi, que ce projet appartienne à la catégorie de la fiction ou de l'autofiction, de l'autobiographie, de l'autoanalyse, et surtout de l'autoanalyse. Et la question est donc celle qui parle ? Qui parle quand on parle ? Qui parle quand quelqu'un parle ? Foucault commençait un de ses textes en citant Beckett, « Qu'importe qui parle », c'était son moment structuraliste ou son moment beckettien, mais il suffit de lire Simone de Beauvoir, Violette Le Duc, Toni Morrison, ou Aimé Césaire, Frantz Fanon, Édouard Glissant, ou André Gide, Jean Genet, ou Monique Wittig, ou Annie Ernaux, ou le tout récent roman d'Édouard Louis. Et je pourrais ajouter même qu'il suffit de lire Michel Foucault lui-même pour savoir qu'on ne peut pas s'en tenir à cette formule, qu'importe qui parle. Il convient au contraire de percevoir et de comprendre quelle est l'implication du sujet qui parle ou qui écrit dans ce qu'il ou elle dit ou écrit. On a une table masculine, alors je fais très attention pour, quand je parle des auteurs, de bien spécifier qu'il y a qu'un auteur masculin ou un auteur féminin, justement la question qui parle et quelle est l'implication du sujet qui parle peut comporter, par exemple quand c'est un énoncé féministe, peut comporter des différenciations très importantes. Ce serait peut-être même la leçon principale qu'on pourrait tirer de l'œuvre de Michel Foucault, avec cette idée de faire le diagnostic du présent, c'est-à-dire faire le diagnostic de quelle est l'actualité dans laquelle nous sommes et qui nous définit, ce qu'il appelait faire l'ontologie historique de nous-mêmes. C'est nécessairement faire ce diagnostic du présent, retracer la généalogie de ce que nous sommes, l'histoire de ce que nous sommes, mais que cette généalogie ne peut être, je crois qu'il faut le préciser, restituée que dans une approche plurielle, partielle, régionale, locale, sectorielle. Ce sont des diagnostics et des ontologies de nous-mêmes. Le temps historique, la temporalité historique ne peut pas être unifiée
réunifier dans une grande synthèse. C'est pour ça que j'ai un peu des problèmes avec l'idée du monde commun et je ne pense pas que ça puisse être réunifié dans une grande synthèse, que chacun de nous incarnerait ou aurait le projet utopique de pouvoir un jour incarner. Il y a des présents qui sont différents pour chacun de nous, selon les collectifs, les catégories, les ontologies auxquelles nous sommes rattachés ou auxquelles nous sommes référés, assignés par l'histoire, c'est-à-dire par le pouvoir, les mécanismes de pouvoir et les formes de résistance à ce pouvoir, par les mécanismes de l'assujettissement et les mouvements politiques et culturels de désassujettissement. Qui parle quand on écrit sur soi-même et de qui parle-t-on ? Je veux dire, qui est le moi qui écrit et qui est le moi dont parle celui qui écrit ? Toute entreprise d'auto-analyse, comme celle que j'ai voulu mener dans ce livre « Retour à Reims », contient une théorie des processus de subjectivation et qui est forcément une théorie des mécanismes politiques de production de la subjectivité. Qu'est-ce que le moi ? Qu'est-ce qu'un individu ? Et comment ce moi et cet individu est produit par le monde social. Ce n'était pas une question nouvelle pour moi, parce que dans mon livre de 1999, qui s'appelait « Réflexion sur la question gay », en référence bien sûr au titre de Sartre « Réflexion sur la question juive », et qui pose la question « Comment est défini par l'extérieur, par l'extériorité, l'appartenance à un groupe, et notamment à un groupe minoritaire, infériorisé, persécuté ?» Donc dans ce livre de 1999, j'avais voulu reprendre, pour ce qui concerne la question gay, l'idée que l'injure, la nomination, la profération injurieuse est stigmatisante et infériorisante est constitutive de l'identité et de la subjectivité. Ce sont des mots, l'injure est un mot qui est destiné à blesser, mais c'est aussi tout l'ensemble du discours social, du langage, avec les hiérarchies que ce langage véhicule. C'est l'ensemble du discours et du langage qui assigne une place définie à tel individu, qui l'assigne à l'appartenance à un groupe d'individus. Et je voulais montrer alors comment les effets de catégorisation sont constitutifs de la subjectivité des individus en tant qu'ils sont rattachés à un collectif, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils l'acceptent ou non. L'individu est défini par cette appartenance, le sujet, la subjectivité sont définis par le processus d'assujettissement et aussi par la reprise de la catégorisation par le contre-discours, la réappropriation de l'insulte dans l'affirmation de soi, par la transformation de la honte en fierté. C'est un thème omniprésent chez Sartre ou chez Jean Genet, comme Sartre l'a bien vu dans son magnifique livre sur Genet. C'est donc un passé social et politique qui constitue chacun de nous et avec lequel chacun de nous doit se débrouiller. Au début de son livre sur Jean Genet, Sartre décrit Jean Genet comme un passéiste, c'est-à-dire qu'un événement a figé le temps pour lui au moment où on l'a nommé un jour « tu es un voleur ». Donc il est et sera pour toujours un voleur. Il est voleur. Ce n'est pas qu'il vole, c'est qu'il est voleur. Il est constitué dans son identité comme un voleur. Et dès lors, ça vaut évidemment pour toutes chez Sartre, c'est évidemment dans ce livre une métaphore de toutes les nominations stigmatisantes, infériorisantes, catégorisantes. Et dès lors, la temporalité pour Genet, selon Sartre, ne sera qu'une répétition du même. Un verdict a été rendu et ce verdict a façonné le corps et l'esprit de celui qui en a été l'objet. Et je voudrais me demander, au fond, s'il ne serait pas possible d'affirmer que chacun de nous est aussi passéiste que Genet, en ce sens donné par Sartre à ce mot. Tous, nous vivons consciemment ou non, avec cet instant fatal de la nomination où le monde autour de nous nous a révélé ce que nous sommes aux yeux des autres et nous a situés dans l'espace social avec ses valeurs, ses normes, ses hiérarchies. La nomination, l'interpellation, l'injure, sont des verdicts rendus par un tribunal qui ne siège pas, auquel il est difficile de demander des comptes ou des explications, puisque précisément on ne sait pas où il est. Comme chez Kafka,
il est introuvable puisqu'en fait il n'est nulle part, c'est-à-dire qu'il est partout. C'est un tribunal dont les sentences sont respectées par tout l'ordre social. L'injure, est, comme vous le savez, on l'entend tous les jours dans la rue. Les sentences sont répétées par tout l'ordre social quotidiennement, puisque au fond, l'ordre social, ça n'est finalement que la reproduction, la perpétuation, l'ensemble de tous les verdicts qui définissent ce que nous sommes et ce qu'est chacun de nous. Car ce que nous sommes a toujours été délimité par un événement, donc l'injure qui nous inscrit dans une catégorie, et finalement cet événement peut être la naissance elle-même, qui nous donne une appartenance sociale, une appartenance de classe, dont il me semble évident qu'elle nous marque et nous marquera à tout jamais, que l'on reste dans le milieu d'origine ou qu'en on sorte. L'appartenance à un milieu social définit par exemple l'horizon des aspirations professionnelles, et le système scolaire distribue de manière différentielle les enfants en fonction de leur origine sociale ou en fonction de leur origine raciale, ethnique, géographique, nationale, etc., comme ça vient d'être évoqué. Il y a ce qu'on peut appeler des effets de destin liés à l'origine sociale et ratifiés, renforcés par l'école. C'est à travers et par l'intermédiaire du système scolaire que se reproduit aujourd'hui la structure sociale, et ce sont les inégalités sociales de départ, d'origine, qui se répètent et se recommencent. La possession ou non d'un capital culturel, par exemple. Bourdieu l'a si fortement montré, et on le vérifie tellement chaque jour sous nos yeux, que je ne vois pas comment on pourrait affirmer que ce n'est pas vrai. Mais il y a d'autres formes de verdict, que l'on songe par exemple à l'écrivaine Violette Leduc. La malédiction qui pèse sur sa vie, c'est d'avoir été une bâtarde, comme le dit le titre du premier volume de son époustouflante autobiographie, justement La bâtarde. La bâtarde, c'est une catégorie qui lui préexiste, celle honteuse, honnie à l'époque, de la fille sans père. Et pour la mère de la bâtarde, sa mère à elle, celle d'avoir été une mère célibataire qui a une fille sans avoir un mari ou au moins un compagnon. « Ma mère ne m'a jamais donné la main », la première phrase du livre de Violette Leduc qui a précédé cette autobiographie, « L'asphyxie » et l'idée même d'asphyxie dans ce contexte, souligne qu'une structure sociale s'empare d'elle, fabrique ce qu'elle est et ce qu'elle sera, car elle portera en elle à tout jamais le poids de ce malheur inaugural. Chacun de nous porte en lui ou en elle, la marque du lieu et du milieu où il ou elle est né, la place qui est la sienne, place pour reprendre le terme, le titre d'Annie Ernaux, ou qui a été la sienne auparavant, mais reste donc toujours présente dans toutes les situations que l'on peut vivre par la suite, malgré tous les changements. Les cas individuels ne sont, les histoires individuelles ne sont donc jamais des histoires individuelles. Elles sont ancrées dans des appartenances de classe, de genre, de race, d'ethnicité. Et ne plus appartenir, par exemple, à la même classe que ses parents est un facteur de conflit ou d'incompréhension ou de distance. Et on le voit bien dans de nombreuses œuvres littéraires. Les rapports entre les parents et leurs enfants peuvent être rendus difficiles, non pas en raison de conflits psychiques qui seraient inhérents à la structure familiale ou des étapes quasi nécessaires dans le développement du sujet humain, tel que la psychanalyse voudrait nous le faire croire, mais qui naissent de causes liées, par exemple, à une trop grande différence dans le rapport au système scolaire, avec une sortie très précoce du système scolaire chez les parents ouvriers et une fréquentation plus longue chez les enfants, avec les enfants d'ouvriers qui fréquentent aujourd'hui plus longuement le système scolaire, avec parfois accès à l'enseignement supérieur. C'est ce que décrivent, au fond, les livres d'Annie Ernaux, de Pierre Bergougnou ou d'Édouard Louis, dont j'ai déjà parlé, pour évoquer des auteurs français, ou John Edgar Wideman, l'écrivain américain dont le livre « Suis-je le gardien de mon frère ?» se débat magnifiquement et douloureusement avec la question de la trajectoire sociale ascendante et la différenciation profonde qu'elle instaure par rapport à ceux que l'on quitte ou dont on se sépare. Je pourrais citer des dizaines d'autres auteurs élaborant sur des thèmes analogues, mais je vais en citer un seul. Dans son autobiographie « Colored People », Henry Louis Gates Jr., donc un universitaire afro-africain-américain, décrit l'incompréhension qui peut surgir dans de très nombreuses situations entre des parents, notamment les siens, c'est son autobiographie, qui ont fréquenté le système scolaire américain quand la ségrégation était encore en vigueur, et leurs enfants qui l'ont fréquenté
après la déségrégation. Par exemple, ça fait les parents ne comprennent pas que les enfants n'aient pas de problème ou moins de problèmes à fréquenter des Blancs. Et c'est des pages absolument magnifiques et époustouflantes qui montrent bien que l'identité sociale est fabriquée par l'histoire. J'ai dit que le monde social s'emparait de nous à la naissance, dès la naissance. Mais je peux dire aussi qu'il s'empare de nous bien avant la naissance. Nous remontons très loin dans le temps. Et puisque le thème était la Méditerranée, je voudrais prendre comme exemple le premier volume de l'autobiographie de la romancière algérienne Assia Djebbar, volume qui s'appelle « L'amour, la fantasia ». Ce livre s'ouvre sur une scène de bataille. Bataille qui se situe en 1830. C'est la prise d'Alger par les troupes françaises et le début d'une guerre longue, meurtrière, menée par les mêmes armées françaises pour réduire la résistance, soumettre le pays envahi. Et à la toute fin de ce livre, dans ce premier volet de son autobiographie, après avoir évoqué et son histoire personnelle et l'histoire des guerres d'Algérie, la guerre menée par les Français peu avant le milieu du 19e siècle pour conquérir le pays, puis la guerre menée par les Français au milieu du 20e siècle pour s'y maintenir contre les forces luttant pour la libération et l'indépendance. À la fin donc de ce livre, Assia Djebbar écrit « Une constatation s'impose, je suis né en 1842 ». C'est-à-dire lorsque les troupes françaises ont détruit le village de ses aïeux, le village de ma tribu d'origine, écrit-elle. Et l'on voit que la première question qui sous-tend toute entreprise autobiographique, mais aussi toute réflexion sur la politique, et sur soi-même comme sujet, quand on s'invente comme sujet de la politique, c'est celle de la date de naissance. Pas celle de l'état civil, bien sûr, mais celle de la condition que l'on vit, de la séquence historique dans laquelle on s'inscrit, de la situation géographique, de la position politique dont on est le produit, et en l'occurrence, pour Assia Djebbar, de la violence militaire, coloniale et colonialiste. La question peut se traduire en ces termes, où et quand commence l'autobiographie, où et quand commence le « je » littéraire et aussi le « je » politique. À quel moment du temps faut-il remonter? Dans quel territoire faut-il fixer ce commencement? Où et quand commence « je » le « moi » est un composé d'histoire et de géographie, là c'est flagrant dans le cas d'Assia Djebbar, et c'est cette composition qui nous fait être ce que nous sommes, et cela ressemble fort à ce que Sartre appelle dans un certain nombre de textes une prédestination. Assia Djebbar raconte la lutte, par exemple, héroïque et désespérée dans les années 1830 et suivantes de l'émir Abdelkader contre l'invasion française. Et moi, je me souviens que quand j'étais enfant, alors que plus d'un siècle après la défaite de ce grand héros de la résistance algérienne, plus d'un siècle après, la guerre et son cortège d'horreur avaient de nouveau éclaté et allaient aboutir cette fois à l'indépendance de l'Algérie, les manuels scolaires dont je disposais quand j'étais à l'école nous enseignaient la grande épopée de la conquête française pour soumettre l'Algérie, dans laquelle ce même combattant, ce courageux émir Abdelkader, qui était aussi un grand lettré, un poète, un philosophe, un théologien, était présenté comme une sorte de bandit, de gangster, heureusement bientôt vaincu. Et nous aurions dû espérer, puisque c'est ça qu'on voulait nous faire espérer, que ses successeurs, les successeurs de cet émir, soient aussi, aussi vaincus très vite. Ce ne fut pas le cas, comme vous le savez, heureusement. Et si je parlais aujourd'hui, dans cette salle ou dans une autre, avec Assia Djebbar, bon, elle habite New York, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Si je parlais avec Assia Djebbar, nous parlerions dans la langue dans laquelle nous parlons tous les deux, dans laquelle nous écrivons tous les deux, c'est-à-dire le français. Nous serions les héritiers d'un long passé commun, mais dans lequel les générations de ceux qui furent nos ancêtres, ou plus récemment de ceux qui furent nos parents, se sont brutalement affrontées. Et évidemment, je dénonce ce passé colonialiste, évidemment, qui est le mien, malgré moi, de l'histoire dans laquelle, en tant que Français, je m'inscris. Je suis né, moi aussi, en 1830, quand les troupes françaises ont envahi le village des ancêtres d'Assia Djebbar, ce qui veut dire que notre histoire n'est pas la même, et que si nous communiquons,
il faut d'abord savoir que nous venons de ces histoires antagonistes et que nous devons en avoir conscience. Celle qui vient d'une histoire martyrisée n'est pas la même nécessairement que celle qui, que celui qui vient d'une histoire martyrisante. Assia Djebar ne peut écrire que parce qu'elle est portée par les voix des suppliciés. Elle est née en 1842 à la lueur des incendies et dans l'ombre des massacres. Et à travers elle, à travers ses livres, à travers sa langue, son écriture, ce sont tous les autres, toute l'histoire qui parle. Quand elle parle, elle dit « Je veux rendre ». Il y a un très beau livre d'elle qui s'appelle « Ces voix qui m'assiègent », qui est un recueil d'entretiens et de textes non pas fictionnel, mais de réflexion, des essais, des petits essais. Dans ces voix qui m'assiègent, elle dit j'écris pour rendre la parole à toutes ces voix emmurées, toutes ces voix martyrisées, toutes ces voix massacrées, etc., toutes ces voix torturées, toute cette histoire dont elle est issue. Mais je viens de le souligner, Assia Djebar écrit en français. Elle écrit dans ce qu'elle appelle la langue adverse. Comme elle le dit dans des pages fort complexes. Elle est donc née également en tant que locutrice du français au moment de l'invasion. Elle écrit dans la langue du colonisateur, elle le sait bien sûr, et si je comprends bien, elle écrit des pages et des pages sur cette question, donc si je comprends bien le passage auquel je me réfère et les pages qui l'entourent, elle suggère que c'est également le rapport à la France, à la culture française, à la littérature française, qui lui a donné la possibilité d'écrire, parce que elle a pu, grâce à cet accès à la culture française, acquérir une sorte de volonté d'émancipation par rapport aux traditions de son pays, notamment à la religion dominante dans son pays, à la culture de son pays, et elle a pu conquérir une sorte d'indépendance en tant que femme, telle qu'elle l'a décrit symboliquement dans le fait qu'elle a ôter son voile. Le dévoilement de soi dans la langue de l'adversaire, c'est aussi l'histoire d'une émancipation, d'un dévoilement de soi que ne connaîtront pas, dit-elle, celles qu'elle appelle mes compagnes cloîtrées, c'est-à-dire celles qui sont restées voilées, cloîtrées, qui n'ont pas le droit de sortir. Alors j'aime beaucoup l'œuvre d'Assia Djebar, et mon propos est moins aujourd'hui de commenter son œuvre que de reprendre son interrogation sur ce que cela signifie d'écrire dans la langue de l'ennemi. Qu'est-ce qu'écrire sur la domination, sur l'assujettissement dans la langue dominante ou la langue des dominants? Or, on écrit toujours dans la langue des dominants. Dans la langue dominante, quand on vient d'un milieu ouvrier et qu'on écrit sur la domination de classe, on écrit avec la langue légitime que ne parlent pas les gens dont on parle. Écrire dans la langue de l'ennemi, c'est une, vous savez sans doute, une phrase de Jean Genet que Annie Ernaux a mis en épigraphe d'un de ses romans. La question de la langue de l'ennemi débouche donc sur celle plus générale des catégories de pensée avec lesquelles on peut analyser la domination, avec lesquelles on peut rendre compte des principes, des mécanismes de la domination. La question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on peut se défaire simplement des catégories assujettissantes, ou est-ce qu'on n'est pas nécessairement pris dans le cadre de ces catégories, comme nous invite à le penser Foucault, avec l'idée de discours comme configuration stratégique dans laquelle le discours critique, le discours hérétique, le discours oppositionnel prend ce qu'il appelle le contre-discours, le discours en retour, prend nécessairement appui sur le discours du pouvoir pour le contester, le critiquer, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas en dehors du pouvoir, mais toujours dans un contact, un conflit avec ce discours du pouvoir qui, lui aussi, n'existe que parce qu'il est en contact, en prise directe sur le discours qui lui résiste, sur le contre-discours. J'ai parlé tout à l'heure de l'écrivain africain-américain John Edgar Wideman, et toute son œuvre, je pourrais dire, est un effort pour remonter le plus loin possible dans la généalogie dont il est issu. Et en ce sens, c'est assez proche comme projet de celui d'Assia Djebar que je viens d'évoquer. Et dans un de ses livres qui n'est pas traduit, qui s'appelle Father Along, il se pose la question: comment la question de l'identité personnelle est liée à l'identité collective et comment celle-ci est ancrée dans l'histoire. Il s'agit pour lui de retrouver le passé de son père, le passé de la famille de son père. Et ainsi, puisqu'il s'agit d'une famille noire américaine, donc retrouver le passé de son père, puis de la famille de son père,
essayer d'aller jusqu'à entrevoir les profondeurs du passé, et dans ces profondeurs du passé, l'appartenance à laquelle il ne peut pas, ne veut pas, ne pense pas pouvoir échapper, l'appartenance à l'Afrique et au continent africain. Lui, le noir de Pittsburgh, sait qu'il vient d'Afrique, et qu'il est venu d'Afrique il y a trois siècles plus tôt. L'appartenance à l'Afrique, comme dans la proclamation qui avait lancé dans les années 30, dans les années 50, les poètes de la négritude, Aimé Césaire, Léopold Senghor ou Léon Gontran Damas, magnifique Léon Gontran Damas, que vous vous souvenez, on connaît aujourd'hui parce que Christiane Taubira l'a cité dans les débats au moment où elle se battait contre les forces rétrogrades et conservatrices qui sont malheureusement si présentes dans notre pays. Elle avait cité Léon Gontran Damas, nous les peu, nous les gueux, nous les riens, nous les chiens, nous les nègres, nous les maigres, arrêtons-nous pour faire les fous, pour pisser un coup contre les vies qui nous sont faites, etc. Magnifique poème de Léon Gontran Damas qui me permet, en un mot, de rendre hommage au courage de Christiane Taubira et de dire que un pays où Christiane Taubira a pu être insultée de la manière odieuse, infamante, répugnante, comme ça a été le cas, est un pays dont on a honte d'être le citoyen. Mais heureusement, il y a des gens comme Christiane Taubira qui nous donnent une sorte d'orgueil d'appartenir à la langue française et à la, j'ose pas dire à la nation française, parce que je n'aime pas l'idée de nation, je suis internationaliste, comme on le disait tout à l'heure, je ne vais pas faire revivre la notion de nation, au contraire, je voudrais la défaire. Mais en tout cas, s'il y a une nationalité dans laquelle je me reconnais, c'est la nationalité du courage, de l'énergie politique et transformatrice, créatrice de nouveaux droits, dont Christiane Taubira a été la porte-parole. Donc je disais, Weidmann se réfère à l'Afrique. Il sait qu'il est africain d'une certaine manière, mais en même temps il affirme détester le nuage toxique qui se met, dit-il, à nous envelopper dès que la notion de race intervient. Et la question qui se pose quand on lit ce livre, Father Along, où il s'inscrit dans une histoire africaine et où il dit en même temps il faut se méfier de la notion de race qui est toujours toxique, c'est comment à la fois défaire la race, la notion de race, l'appartenance raciale, quand on a été constitué par la race et qu'on veut affirmer son appartenance passée et présente à cette race. Comment affirmer la race politiquement pour dire « je suis un Africain-Américain, je viens d'Afrique et j'affirme mes droits » tout en refusant la race comme principe de stigmatisation, d'infériorisation et d'assujettissement. Nous sommes confrontés ici à une contradiction dont on peut sans doute affirmer qu'elle est constitutive de toutes les démarches politiques de transformation de l'ordre social. C'est sans doute ce que l'historienne Joan Scott, l'historienne féministe, a appelé le paradoxe indépassable des mouvements. Elle disait ça à propos du mouvement féministe, mais ça vaut pour tous les mouvements. Comment se constituer dans la différence, s'appuyer sur une différence constitutive pour demander l'égalité et l'abolition de ces différences. Oh, je vais arrêter là peut-être. Guillaume, c'était la première fin pour avoir quelques applaudissements. Après ce rappel, je... On est au théâtre, voilà, je vais faire un bis. Puisque je dispose encore de quelques minutes, je voudrais poser la question, je parle à la fois de la race et du féminisme dans ce que je viens de dire. J'aimerais conclure sur la question de nos appartenances multiples, puisque j'ai posé la question, qui est moi, qui suis-je, qui est-je par rapport aux autres. Et en renvoyant bien sûr à un article célèbre dans les débats sur le genre,
mais qui n'est peut-être pas célèbre, puisqu'il est publié simplement dans une revue d'une juriste américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw, Mapping the Margins, cartographier les marges, et a été traduit en français, je pense qu'on le trouve sur, il est disponible sur Internet. Et à la notion qu'elle élabore dans cet article, celle d'intersectionnalité. On retient souvent de cet article le fait qu'elle critique le féminisme américain, blanc et trop bourgeois, qui tend à effacer la dimension de la race. Elle parle des femmes africaines-américaines qui se trouvent en situation de précarité, les femmes chômeuses, les femmes qui se retrouvent comme ça dans la rue et je pourrais donner des exemples, ça serait trop long, et que les refuges qui normalement accueillent les femmes précaires refusent de recevoir pour des raisons X ou Y, mais qui tiennent souvent au fait qu'elles ne savent pas bien parler, elles ne peuvent pas assister au groupe d'auto-affirmation de soi, comme ça s'appelle, les groupes de discussion. Où on doit, comme toujours aux États-Unis, où on doit parler de soi, de ses problèmes, etc. Et comme elles ne peuvent pas y assister, ces femmes dans la grande précarité ne sont pas reçues par les refuges qui sont censés recevoir ces femmes dans ces situations de très grande précarité. Donc on retient souvent de cet article le fait que Kimberly Crenshaw critique très durement le féminisme blanc et bourgeois qui tend à effacer la dimension de la race dans la prise en considération des problèmes. Mais en fait, il faut aussi dire, quand on lit l'article, et je l'ai relu récemment parce que je l'ai enseigné dans un séminaire à mes étudiants, avec mes étudiants, elle critique tout autant le mouvement noir américain et les mouvements antiracistes qui, dit-elle, tentent à effacer la dimension du genre. Poser la dimension du genre, par exemple, le fait qu'une femme quitte le domicile, son domicile parce qu'elle est battue par son mari, on dira, si les féministes se posent cette question, ça va introduire des divisions dans le mouvement antiraciste, il ne faut pas parler de ça. Donc elle critique autant la dimension, elle critique autant le mouvement antiraciste pour le fait que le mouvement antiraciste ne veut pas prendre en considération la dimension du genre, autant que le mouvement féministe qui ne prend pas en considération la question de la race. Je ne peux pas, dans les quelques minutes qui me restent, discuter comme il le faudrait un article aussi riche et aussi fécond, mais je voudrais étendre les enseignements qu'on peut en tirer. Nous sommes tous à l'intersection de plusieurs histoires, de plusieurs inscriptions historiques. Et la singularité de chacun de nous, c'est que l'ensemble des intersections qui nous composent est différent de l'ensemble des intersections qui composent telle ou telle autre personne. Mais aussi que les mouvements politiques, que les catégories politiques donnent forme non seulement au présent, mais aussi au passé qui est le nôtre. Et puisqu'une catégorie politique, une mobilisation politique, insiste sur tel ou tel aspect de notre personnalité. Par exemple, le mouvement gay, je dis gay, je précise le mouvement LGBT, pour être plus inclusif, m'avait donné, quand j'ai écrit mon livre Réflexion sur la question gay, un passé d'enfant gay. J'étais un enfant gay, je m'inscrivais dans une histoire gay, me faisant oublier l'enfant d'ouvrier que j'avais également été, mais qu'aucun discours, aucune catégorie théorique et politique ne maintenait plus à l'existence depuis que le marxisme avait quasiment disparu de la scène intellectuelle française. Puis-je réconcilier des histoires différentes? Puis-je globaliser, totaliser les éléments qui me constituent? Réunifier ces histoires, ces temporalités diverses qui m'inscrivent? Est-ce que je suis né en 1870 au moment de la Commune de Paris? Ou est-ce que je suis né en 1936 au moment du Front Populaire? Ou est-ce que je suis né en 1895 au moment du procès d'Oscar Wilde et de sa condamnation? Ce sont deux histoires différentes dans lesquelles je peux m'inscrire et dans lesquelles je m'inscris. Et comment les réunifier? Ou bien dois-je admettre que le temps politique, la temporalité politique ne peut jamais être unifiée. Politiser, c'est toujours présentifier, installer dans le présent certaines dimensions de la vie sociale, et je dirais forcément au détriment d'autres virtualités. Et par conséquent, chaque catégorie théorique, chaque catégorie politique m'inscrit dans une histoire, dans une généalogie qui risque d'être en conflit, en concurrence avec des catégories théoriques et politiques qui m'inscriraient dans une autre histoire, dans une autre temporalité. Il ne suffit pas de dire
Il n'est peut-être pas exact de dire que je me situe à l'intersection. Il ne suffira pas de dire, il n'est sans doute pas exact de dire que je me situe à l'intersection de temporalités multiples. La notion d'intersection, ici, se révèle problématique. Car la cristallisation que constitue le jeu est toujours fragile, provisoire, aléatoire et toujours partielle surtout. Le jeu est hanté par les autres jeux qui sont nécessairement exclus, effacés, expulsé du présent par la politique, par les mouvements politiques, les mouvements collectifs. Et pour qu'un jeu puisse émerger et se définir comme tel, il faut que d'autres jeux possibles soient exclus, effacés, expulsés du présent. Ce dilemme qui concerne le sujet, la formation du sujet, s'applique également au groupe et à la constitution de l'actualité politique. Il ne faut pas rêver en dehors de moments éphémères comme mai 68, que je voudrais, mai 68, grande période à laquelle je voudrais rendre hommage, grand moment politique. Et si la gauche française se souvenait de cette origine-là, si on pouvait dire la gauche française aujourd'hui est née en 1968, ça serait formidable. Il faudrait peut-être la rappeler à ça. Il ne faut pas rêver en dehors de moments éphémères comme mai 68 et vouer à disparaître bien vite à une convergence politique des luttes, à des coalitions où les présents des uns et des autres pourraient venir se fusionner. Et malheureusement, je crains que les mouvements politiques ne soient toujours destinés à s'affirmer, je ne dis pas forcément les uns contre les autres, mais les uns à côté des autres. Et l'idée d'une réconciliation générale me semble le rôle des mouvements politiques et donc des sujets qui les portent à l'existence me semble une belle utopie, mais une utopie irréalisable et en tout cas pour l'instant très difficile à réaliser.